Oui, moral est très haut, dans la mesure où Mazembe part avec un capital de 3 points et un avantage de 2 buts. Donc, ce qui fait que ce n'est pas Mazembe qui doit faire le match maintenant, le match retour. Au match retour, Mazembe doit absolument préserver son acquis du match aller et assurer sa qualification. C'est l'adversaire qui doit s'époumoner. Et je crois que là, le staff technique a pris toutes les dispositions pour pouvoir calmer les ardeurs de nos amis tanzaniens. Sans doute qu'ils vont d'abord se jeter dans la bataille et puis après déployer leur jeu. 32 personnes, dont 20 joueurs, 6 membres du staff et 6 membres du comité. Donc c'est une répartition très équilibrée. Et c'est vrai que Mazembe voyage par ses propres moyens. Les supporters sont partis depuis. Aujourd'hui, le deuxième groupe est parti. Donc je crois qu'au stade de Dar es Salaam, l'équipe de Mazembe ne sera pas très étrangère. Hein. Oui, c'est porter l'équipe de Mazembe dans leur prière, encourager que le président Moïse Katumbi, le président du Tout-Puissant Mazembe, puisse aller de l'avant avec son équipe et que tout l'accompagne dans ce qu'il entreprend comme réussite pour l'équipe du Tout-Puissant Mazembe. Je crois que au soir de dimanche, parce que nous rentrons dimanche, tout le monde pourra être.